La 18e édition de la Semaine nationale de sécurité routière se tient du 3 au 10 juillet 2024. Conduite par temps de pluie, précautions à prendre. C'est autour de cette thématique que les autorités s'engagent à sensibiliser les usagers sur les dangers des accidents routiers, particulièrement en période de pluie. La période des pluies est une période où les accidents sont beaucoup plus fréquents. Il est donc essentiel de bien préparer nos conducteurs à affronter ces situations difficiles et souvent imprévisibles. En les sensibilisant et en les formant adéquatement, nous renforçons leur capacité à réagir de manière appropriée et sécuritaire. Pour Monsieur le ministre, un tué sur la route est de trop. Donc il vous exhorte à garder le cap pour atteindre effectivement l'objectif d'ici 2025 et d'ici 2030. À savoir la réduction de 25% d'ici 2025 des tués sur la route et de 50% d'ici 2030. Depuis son début en 2023, la Semaine de la sécurité routière a sensibilisé plus de 1 million de conducteurs et engagé des actions telles que la verbalisation de 114 980 véhicules, la mise en fourrière de 10 952 véhicules et la constatation de diverses infractions comme la vitesse excessive, l'usage du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.